Donc 6 mois plus tard, eh ben, on a déféré la quasi-totalité des chevaux, devant, derrière, sauf un groupe de 8 qui sont déférés derrière, qui ne sont pas déférés devant, qui servent plutôt à faire du complet. Donc discipline un petit peu compliquée à gérer parce que les cavaliers ont un petit peu peur de partir en complet sans faire. Donc voilà, donc ils sont partis, ils ont fait leur premier complet avec des fers aux antérieurs mais pas de fers aux postérieurs. Ben pour les autres, aucun souci. Bon voilà, il faut qu'ils s'habituent à marcher sur le dur. Donc on a fait des aménagements de pré. On a fait des aménagements de pré où on a mis, donc on leur a laissé le pré et on a mis toute une partie avec des cailloux, voilà, pour que les pieds se fassent. Euh, 36 heures après la ferrure, il s'est retrouvé avec 4 membres très engorgés. On a donc déféré en urgence. Le lendemain, je l'ai mis en liberté dans le petit manège extérieur que vous avez derrière, donc sans passer par un sol chaotique, caillouteux. Et j'ai trouvé, une fois mis en liberté dans le manège, un cheval transformé. Dans la filière professionnelle, votre nom a une très mauvaise réputation, donc si je commence par aborder votre nom, il n'y a même pas de dialogue. Au niveau de la locomotion, on n'a pas de problème particulier. Déjà, ça vous satisfait, toute cette démarche, globalement ou... Oui, de le faire d'une façon... là, moi, je trouve ça intéressant de le faire d'une façon protocolaire. Ouais. Ça, c'est intéressant parce que... Ça fait professionnel, on sait où on va avoir des repères. Oui, voilà, c'est ça, parce que jusqu'à présent, tout le monde en parle, tout le monde dit ce qu'il pense et ce qu'il... Mais bon, voilà, là, on va faire un protocole par rapport à un endroit donné, par rapport à une utilisation donnée, le centre de Poitiers, sur tel type de terrain, etc. Ça, c'est intéressant. Et plus personnellement, alors, passer de la maréchalerie et toute cette démarche. Moi, je trouve ça intéressant parce que j'avais aucune expérience. Pas autant de cas pour une utilisation classique d'un centre équestre. Donc ça, moi, je trouve ça intéressant de voir comment le pied évolue. Moi, ce que j'ai appris, c'est qu'il faut être patient avec les pieds des chevaux parce que il faut quand même un certain temps pour que le cheval s'habitue ou renforce sa corne ou travailler, prennent l'habitude de pieds nus. Moi-même, j'ai travaillé dans des structures où les poneys n'étaient pas ferrés du tout et où ça se passait très bien, mais ils étaient habitués à ça. Alors que les nôtres ont toujours été habitués à être ferrés. Donc c'est vraiment un changement de ne plus les ferrer. Donc en reprise, socialement, toujours très très bien. Et puis dans les pieds, petit à petit, ça vient et ça vient très bien. Il y en a qui sont plus gênés que d'autres, mais après les 3 phases de parage... Ça se passe très très bien. Bon, voilà. C'est super. Voilà. Allez, merci. De rien. C'est un peu ce qu'on vous a dit tout le monde, non ? Par rapport au déferrage, non, toujours en phase d'adaptation, je pense, par rapport aux chevaux. Donc après, il faut voir quand ils auront fini de s'adapter. Je te sens un peu sceptique. Moi, je sais pas. C'est pas forcément ce qu'on nous a appris depuis 10 ans, donc après ça demande à voir. Et moi, j'en ai parlé l'autre jour, on en a parlé avec un commerçant de chevaux et qui m'a dit oh, j'en ai entendu parler, apparemment plus on défère plus on baisse les talons, alors qui moi me paraissait pas logique, moins les chevaux ont de problèmes naviculaires. Bah, les chevaux à la base on les ferre pas hein. On vient d'en acheter un, il n'a jamais été ferré, et lui ça ne lui posera pas de problème. On a tous été très très impliqués parce que donc à l'arrivée de Jean-Louis, beaucoup de choses ont été bousculées, donc du coup tout le monde a été bousculé aussi, hein, mais bon après dans le bon sens, hein, c'est,
Et je pense que finalement, ceux qui avaient peut-être moins de contact avec les chevaux avant l'ont peut-être plus maintenant. Mais je pense qu'on fait plus de choses pour les chevaux qu'il y a 6 mois. On est bien d'accord, hein. Surtout qu'on était dans un centre équestre, c'est ça qui est. Après, personnellement, moi j'ai déféré mon cheval. Donc... Et bien, 6 mois plus tard, de bonnes choses, assez intéressantes. C'est vrai que pour la. Alors, ça, au niveau du fait de les avoir déférés, les chevaux, bien sûr, en fonction de leur sensibilité, n'ont pas réagi de la même manière. Donc, on a eu des chevaux qui sont adaptés tout de suite, très vite. Et ça s'est très bien passé, quel que soit le type de terrain. Et puis, d'autres où ça a été un petit peu plus difficile, ça s'est fait ressentir par des petites irrégularités en cours, même sur le sable. Et on a travaillé là-dessus, on a fait en sorte d'adapter le travail, le temps de travail, et puis ça s'est calé, et je pense que là, on est arrivé dans un système où, pour l'instant, ça s'est stabilisé, donc les chevaux qui étaient plus sensibles sont nettement mieux sur le sable, en tout cas pour l'instant, et on fait en sorte de leur préparer leurs pieds en allant sur du dur, du goudronné, en extérieur, pour l'instant. Moi je suis satisfaite et puis bon bah l'intervention que vous avez faite nous a permis d'ouvrir un peu les yeux quand même parce que c'est vrai que c'était inconnu complet. Enfin, je veux dire, on a toujours fonctionné comme ça et tant qu'on ne nous explique pas pourquoi c'est mauvais, pourquoi ça serait bien, on ne peut pas deviner. Si on nous le dit juste, bon, pourquoi pas, mais comment c'est possible. Mais là on a eu l'explication, donc à la limite, moi je suis convaincue. La question des fers, comme je n'avais jamais entendu dire que c'était très mauvais pour eux. J'ai pas ouvert les yeux parce que je le savais pas, maintenant je le sais, et je vais réagir en conséquence. Dans mon état d'esprit, si j'avais mon centre équestre, c'est clair que tous mes chevaux de club n'en auraient pas du tout. Ça c'est sûr, maintenant. Et c'est vrai que sans les faire, c'est génial, voilà. On avait des chevaux encore dans les vols, on avait pas... Just don't